Paris. Faut pas qu'on se voie en retard. La vie d'Orval doit nous attendre, puis faut habiller ici, hein, avant d'aller au mariage. Doudou, c'est pas moi que vous mariez, vous le savez bien, c'est M. Boutin. Vous savez bien que j'ai dit ça pour rire. Vous le savez, Boutin, je l'aime pas. Je vais y jouer un bon tour. Il pense que je vais être sa femme, mais je vais dire à l'abbé d'Orval que c'est vous que je veux marier. Mais non, faut pas. J'ai pas encore oublié ma femme. Ça, il faut que vous le sachiez. Ta femme est morte. Ça y fait plus rien que t'en aimes un autre. Tu vas voir, on va être assez heureux ensemble avec les petits, je te le jure. Oh, je pense pas. Je suis pas un homme pour une jeunesse comme vous. Ça, là, c'est moi qui le sais. Va t'habiller, va vite. Moi, je vais réveiller les petits. Oh, j'ai peur qu'on regrette ce mariage-là. Regretter? Ça va, un matin, l'abbé? Ah, bien sûr, M. Boutin. Vous aussi? Ah, oh, je comprends. Une journée pareille. Je me sens comme un jeune homme. Après-midi, je me marie avec mon petit amour. Et puis, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, l'abbé. Je vous jure que je vais faire tout ce que je peux pour que votre protégée soit heureuse. Il me semble que je ne suis pas un homme si méchant. Elle aurait pu rencontrer pire. Je dis pas le contraire, M. Boutin. D'ailleurs, j'ai jamais voulu empêcher votre mariage avec Doudou. Quand, au début, j'ai essayé de vous raisonner, c'était pour vous faire réfléchir, tous les deux, à la gravité de l'acte que vous vouliez poser. Pourtant, ça doit pas avoir trop d'importance pour vous, un mariage comme celui-là, vu que ça se passe au palais de justice. Oh, vous vous trompez, M. Boutin. Ce qui est important, c'est l'engagement qui est pris l'un envers l'autre. Que cet engagement-là soit pris à l'église ou bien ailleurs, c'est vous, les officiants, dans le cas présent. Où que vous soyez, où que ça se passe, c'est une chose grave, aussi grave pour un incroyant que pour un croyant. À mon point de vue, le mariage est une des grandes responsabilités humaines. Si vous êtes de cet avis, j'ai plus un mot à redire. OK, l'abbé, ben paré à voir les choses comme vous les voyez. Je vais encore vous faire une petite remarque moralisatrice. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Allez-y. Essayez de faire en sorte que la première compagne de votre vie soit le moins possible lésée dans l'aventure, pensez à elle de temps en temps. Ah ça, j'ai des obligations, c'est sûr. Puis j'ai pas l'intention de les oublier non plus. Je pense et tout que on me laisserait pas faire. Bon ben, on va organiser notre journée, hein. Ouais. J'imagine que on vous verra pas à la noce. Hein? Comment ça, j'ai été invité? Hey, je me suis organisé avec Ticlou. On ira passer un moment, chacun son tour. Je veux tout de même aller embrasser la mariée. Oh, ben, l'abbé, là, vous me faites plaisir. Je vous amène les enfants. J'espère qu'ils ne vous causeront pas trop de problèmes. Ils m'ont promis d'être bien sages durant le mariage. Bien sûr, papa. Oh, c'est une belle toilette, bien sûr, Thibaut. Oh, viens voir ma robe, papa. Ah, je l'ai déjà vue. C'est où, cette histoire-là, assez ridicule. Oh, ben voyons, Jean-Marie, vous n'allez pas recommencer, Thibaut. C'est un si grand plaisir pour la petite qui est toujours si raisonnable, Thibaut. Une toilette longue qui servira plus jamais. Ça a-tu de l'allure, ça? Ben, c'est Doudou qui paye. C'est bien en quoi, je suis encore plus compte. D'un autre côté, cette dépense-là, c'était quand même pas à moi à faire, non? Ben, justement, Jean-Marie, on vous demandait rien. Rien que de faire des belles noces, puis un beau show, Thibaut. En plein ça, c'était un beau gros show. Bon, ben, je vais vous laisser à votre gros show. Soyez gentil, hein? Oui. Surtout poli avec tout le monde. Écoutez, Safrida. Je vous remercie bien de prendre soin des autres.
Oh, ça me fait plaisir, Jean-Marie. Bonne journée. Allô, père? Je voulais pas te réveiller. Mais vous l'avez fait pareil. Quelle heure qu'il est, là? Mon doux, il est 10 heures. Il faut que je me lève. Moi, j'ai assez d'affaires à faire d'ici à cet après-midi. On va préparer le déjeuner. Hey, dis-moi donc, où c'est qu'elle est rendue ta robe de noces? Chez Sofrida. C'est elle qui va m'aider pour mon mariage. Ah, on va déjeuner. Ouais. Vous avez même pas fait chauffer de l'eau? Ben, j'attendais. Faut plus attendre, le père. Demain, je serai plus là, moi. Avez-vous ouvert les armoires? Non. Pourquoi faire? Mais, regardez. Je vous ai fait des provisions. Comme ça, ben, vous creverez pas de faim d'ici à ce que je revienne faire mon tour. T'es bien fine. Je te remercie pensant à ton vieux père. Mais pourquoi vous dites ça, ton vieux père? Ben... C'est drôle, hein? Quand vous avez rien que 45 ans. Vous êtes vieux, le père, là, parce que vous le voulez. Quand vous allez être bien rasé, là, puis que vous aurez mis votre bel habit, ben, vous allez avoir l'air aussi jeune que mon mari. Après tout, vous avez quasiment le même âge. Je vais avoir l'air de l'Halloween, moi, là-dedans. Mais comment ça? C'est bien pour une fois que vous n'aurez pas l'air de l'Halloween. Bon, on va déjeuner. J'ai acheté du pain au raisin. On va faire la fête le jour de mes noces. Qu'est-ce que tu fais d'ici à 3 heures? Mais d'abord, faut que j'aille chez Fifine pour prendre mon bain. Après ça, j'ai rendez-vous chez la coiffeuse, Martine Nathan. Après, ben, je m'en vais tout drette chez Sofrida. Ah. Faut s'occuper des petits, hein. Faut lui mettre le beau habit avant le mariage. Ah, moi, je veux pas être à la course, hein. Fait comme ça, tout est préparé. Ah, as-tu pensé au gaz? Ben oui, le père, inquiétez-vous pas. Je l'ai payé, votre compte de gaz. Mais à l'avenir, là, va falloir faire attention à tout ça, hein. Moi, je serai plus là pour payer vos comptes. Puis un beau matin, là, vous allez vous réveiller, plus de gaz, puis plus d'électricité. Puis oubliez pas que pour faire reconnecter tout ça, là, ben, ça coûte encore de l'argent pour rien. Bien sûr. Une autre affaire, le père, là. Lavez-vous un petit brin de temps en temps. Les pieds, surtout. Pensez-y, surtout quand vous allez pour vos petites jobines, là. C'est bien important. Le monde aime pas ça, les gens qui sont pas propres. Correct, correct. Mais il faut que je vous parle de même, moi. Sans ça, je vais être inquiète sans bon sens. C'est vrai, père, que je vais être inquiète. Après tout, vous êtes encore mon père, hein? C'est bon d'entendre ça, tu sais, ma fille. Je pense que depuis des années, j'ai rien entendu de... qui me donne le moton de même. Parce que moi, peu de voir, c'est un peu comme s'il n'y a plus de lumière pantoute dans la place. Ça prend bien une journée comme aujourd'hui pour se faire des déclarations d'amour, hein? Voulez-vous le père? On va organiser notre petite vie là, pour se voir un brin de temps en temps. Ouais. Disons que toi et mercredi, moi venir faire le ménage ici dedans. Puis vous, ben de votre côté, vous viendrez manger à l'appartement une fois de temps en temps. Ça fait-tu votre affaire demain? Peut-être bien. On verra ça dans le temps comme dans le temps. Parce que, pour être bien franc, Boutin puis moi, on n'est pas trop le même genre. Comme de raison, je veux pas faire des ennuis. Je le sais que je suis plate sans bon sens. Disons que je vais t'attendre le mercredi. Ça sera la journée des journées dans la semaine. Pour le reste, on en parlera une autre fois. Une autre affaire, le père, là. Promettez-moi de ne pas boire plus, même si je suis plus là. C'est une question de vie ou de mort dans votre cas. Bon, je vous dis pas de plus boire pantoute, vous seriez pas capable. Mais essayez de pas boire plus. Et vous me voyez là arriver le mercredi, là, puis de vous retrouver pacté dans votre crasse, là. Moi, je veux venir voir mon père, pas plus, mais pas moins. Et vous voyez ça, là, que j'arrive, puis que vous soyez plus capable de me reconnaître. Mais c'est pas compliqué, hein. Si c'était de même, là, ben moi, je reviendrai plus pantoute. Viens, ma fille. Viens te promener. Je vais être à jeun. Vous avez vu le succès de votre rapport, Flagos? Tout le monde est unanime. On a vraiment de la chance d'avoir un homme comme vous dans le quartier. Maintenant, au sujet du projet d'amélioration que vous avez vous-même proposé pour le club, surtout pour les salles du haut, combien de temps ça vous prendrait pour aménager tout ça? Bien là, les jeunes tombent en congé. J'avais l'intention de faire les travaux par les collégiens. Là, j'en ai 4 là, qui sont pas mal capables.
Ça serait donc pour le mois de juin? Ben, fin juin. Je prévois une semaine et demie, deux semaines au plus. Bon. Ben, ça veut dire qu'on peut déjà prévoir un horaire avec différents cours. Ben, certainement. Mais il y a une autre affaire qu'il faudrait solutionner, là, dans le quartier. C'est les garderies. Il y a trois semaines, ma femme a rédigé une pétition là, qui circule dans le quartier. Oui, j'en ai eu connaissance. Louise en a une à la clinique. Elle l'a fait signer un peu par tout le monde. Moi, j'aurais un endroit que je pourrais faire arranger ici au deuxième. L'ancienne cuisine là, qui donne sur un grand balcon qu'on pourrait faire grillager l'été. Oui. Il faudrait absolument obtenir une véritable garderie. Et ça, ça s'improvise pas. Il n'est pas question là-dedans non plus de bénévolat. Sans compter que le gouvernement exige de plus en plus de transformations pour pouvoir avoir le droit de garder des enfants dans une maison ordinaire. Je voulais vous dire aussi que le bureau de médecins de la clinique se réunira tous les premiers jeudis du mois. On aimerait vous voir ce jour-là. Il n'y a pas de meilleur moyen que de parler, de discuter des problèmes de santé pour améliorer les choses. Vous aurez d'ailleurs une convocation qui vous arrivera assez tôt pour pouvoir planifier votre emploi du temps. Bien, vous savez, moi, j'ai déjà parlé de toutes ces choses-là à des gens, de ces projets-là. Puis c'est pas difficile de les convaincre. Alors? Avec la vie compliquée qu'on mène, la pollution, ben il faut prendre tous les moyens à notre disposition pour prévenir la maladie. Je pense comme vous, Flagas. Les gens du quartier sont de plus en plus sensibilisés aux problèmes de santé. Ah, oh, Doudou, t'es assez belle. C'est comme dans une vue, ben comme dans un rêve. Non, moi aussi, Fanette, je te trouve bien belle. Hein. Mosaïque, que c'est le fun. Hey, regarde mon père, y a-tu l'air assez déguisé en monde? C'est peut-être bien beau, mais je te dis que je me sens pas bien dans cette vie-là. Ça me coupe de partout. C'est la ceinture qui me sert. Et vous pensez pas, Sofrida, que je pourrais peut-être même passer de la mettre, Pas en tout, c'est bon. J'ai pas envie de vous voir les pantalons en accordéon puis le fond de culotte sur les talons. Endurez pour une fois, t'sais. Mon doux Seigneur, j'ai les pieds sans connaissance. Si au moins je pouvais boire un petit coup de remontant, oh, ça me donnerait du courage. Que je vous voie pas avaler que cochonnerie avant d'arriver au French Buffet, vous le père. Une promesse, c'est une promesse. Vous avez voulu faire le pain de la mariée, ben à cette heure, t'as fait. Pas voulu. Je le suis, cette affaire. Je vois pas pourquoi est-ce qu'un autre aurait pris ma place dans les honneurs. Ben justement, faut ce qu'il faut. De la tenue. Vous êtes assez beau, le père. Ah, pour sûr que vous allez vous décrocher une petite mère dans cette histoire-là. Parlez pas de malheur, vous, là. Vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Dolores Désiré, Jules Boutin, avant de vous unir par les liens du mariage, je dois vous faire lecture de certains textes de la loi qui vous exposent les obligations civiles que vous allez contracter. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme exerce seule ses fonctions lorsque le mari est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. La femme est obligée d'habiter avec le mari qu'elle doit suivre pour demeurer partout où il fixe la résidence de la famille. Le mari est tenu de l'y recevoir. Lorsque la résidence choisie pour le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Cette autorisation peut être accordée sur requête présentée à un juge de la Cour supérieure après signification au mari. Le mari est obligé de fournir à sa femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. Ici, vous répondrez « oui, je le veux », n'est-ce pas? Monsieur Jules Boutin, voulez-vous prendre Mademoiselle Dolores Désiré, qui est ici présente, pour votre légitime épouse? Oui, je le veux. Mademoiselle Dolores Désiré, voulez-vous prendre Monsieur Jules Boutin, qui est ici présent, pour votre légitime époux? Oui, je le veux. Alors, si vous voulez bien vous donner la main, s'il vous plaît. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, vous, Jules Boutin, et vous, Dolores Désiré, je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. Vous pouvez faire l'échange des anneaux maintenant, les jeunes, si vous voulez apporter les anneaux. Hombre.
pressé de marier maintenant. Alors, pendant que le greffier va faire lecture de l'acte, si vous voulez bien en suivre le texte pour voir si tout est parfait. Contre moi, que tu tolères, je vais être ton mari. Ah, mais vite donc, pas toujours la même affaire. Hey, ma petite poule, tu penses que je t'ai marié pour te poser sur une tablette, là? Non, 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 non. T'es à moi, t'entends? À moi! C'est drôle, cette phrase-là, hein? T'es à moi. Les hommes, là, vous dites toute la même affaire. On dirait que quand vous avez une femme, c'est comme si vous vous étiez payé quelques bebelles du genre d'une montre ou ben non, d'une couverte électrique. En tout cas, vous saurez là, que moi, je suis pas à vous comme cette robe-là est à moi. On est des associés. OK, M. Boutin, c'est de même que je vois les affaires, moi. Ça sera comme tu voudras, bébé. Pourvu que cette nuit, là, je t'ai dans mes bras. Le reste, tu penses bien que ça me fait ni chaud ni froid. Et puis, quand est-ce que tu vas te décider de m'appeler Jules? OK, Jules. Ça va faire bientôt 2 ans que l'abbé nous a mariés tous deux. Et moi, il me semble que c'était bien. Je t'avais jamais dit, Maurice, mais... j'avais tellement peur le soir de nos noces. T'avais peur, toi? C'est moi qui avais peur. Toi? Ben, comment? Alors, toi aussi. Je comprends toujours pas pourquoi toi, t'avais peur. Puis tu m'avais connue si jeune, toute fraîche. Puis je pensais que t'allais me retrouver femme après 2 enfants. J'avais peur que tu sois déçue. C'est que tu savais pas que t'avais fait qu'en venir tout le temps depuis qu'on s'est quitté. Mais je te jure que je suis sincère. Toi, menteuse. Je me souviens à bord de Jackie. Quand tu m'as fait sortir épouvantable, tu m'as crié que Stéphane, t'es mon fils. Mais t'étais belle. T'étais belle et effrayante. Avec tes grands yeux immenses, mais de colère et de chagrin. De ce jour-là, je t'ai jamais plus oublié. T'étais toujours dans mon cœur, dans ma tête. J'ai plus le temps passé, puis je devenais jaloux. Plus tard, quand je te rencontrais avec le capitaine Mirubé, la somme montait à la tête. Faut aussi que je nous étais jaloux. Moi, je t'aime, je t'aime. Est-ce que tu penses qu'on va s'aimer comme ça longtemps? Là, je suis dans tes bras, puis j'ai des petits frissons partout, partout, partout. Veux-tu qu'on lâche la noce, Brella? Hey, Godard, monsieur, puis madame Milo. On dirait qu'ils se pensent le soir de leur noce. Ben, c'est en plein ça, M. Magnus Roy. Oh, ils sont-ils beaux, ces deux-là, hein? Nous, puis nous autres, on n'est pas beaux, non? Je sais pas que c'est que Maurice pouvait bien dire à Sylvette. Elle était comme formée dans ses bras, là. As-tu remarqué? Pour moi, moi, il parlait du soir de leur noce. Peut-être bien. Hein? Mais à mon avis, c'est pas toujours ce soir-là qu'on fait bien les choses. Hein, tu te rappelles, nous autres, le soir de nos noces, comme on était énervés, fatigués. Ah, ça oui. Je peux bien dire que ça fait un bon mois après là, que tu as réussi à avoir le tour. Oui, puis tu as été bien patiente, Marie-Pine. Je le sais, va, puis je te remercie. Ben, j'étais pas mal retardée dans la connaissance de l'amour, moi. Oui, mais on peut dire que t'as vite repris le temps perdu, ma vie. Les coupes sont comptées. Vous ne pas ça. Les enfants, ils boivent pas. Ben oui, mais les enfants, on les compte pas. Ben, vous mettrez d'autres sur mon compte. Votre compte. Ben, ça se voit pas que je suis le père de la mariée. Excusez.
J'aime assez ça danser, moi, puis toi, chaud. Ah ouais, moi aussi, j'aime bien ça. Mais ça me fatigue plus que dans le temps. Oh, ben, c'est encore pas trop mal, tu sais. Hey, je te gage que moi, je peux danser de même jusqu'à soir. Ah, ça, ma belle, ça se peut bien. Seulement, si tu veux continuer ça jusqu'à soir, va falloir que tu trouves un autre cavalier. Ben, viens-tu fou, toi? Moi, je veux pas danser avec personne d'autre qu'avec toi, voyons. Ah, ben, c'est que ton vieux mari, là, il est pas mal au bout. J'irais bien m'asseoir un petit peu, moi. Ben, ça, tu sais, je t'avais prévenu avant le mariage de la différence d'âge. Hein. M'attends faire, moi, une différence, OK? La différence, là, tu sais ce qu'elle est, hein? C'est que toi, t'es fin, tu prévois, tu réfléchis, puis tu penses. Moi, tête à l'évent, là, comme d'habitude, en way tourne, puis danse, puis quand j'arrête, je suis bien fatiguée, je suis au coton. C'est bien mieux de se ménager si on veut durer, t'as raison, c'est bien plus fin. Allons, on va nous asseoir un petit peu, là. Je suis fatiguée, là, sais-tu? Ah, t'es bien fine, mon lion, là. Non, 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 c'est vrai pour vrai, c'est pas des farces, là. Hein? Je suis un petit peu étourdie. Tiens-moi donc. Salut, lion, là. Viens t'asseoir. Oh là là! Ça va pas y longtemps? Oh, non, je suis juste un petit peu fatiguée. Des fois, je pense que... on se pense plus jeune qu'on l'est. Oh, merci, belle! Ben, pourquoi je serais pas venu souhaiter le bonheur à mes amis? Oh, merci, l'abbé, merci. Venez prendre un coup avec nous autres, oui. Monsieur l'abbé. Oui, approchez tout le monde, venez. Oui, hein? Oui, c'est ça, oui. Oh. Hey, vous pouvez arroser ça, hein? Après tout, moi, c'est le seul jour de gloire que je vais avoir dans ma vie, hein? Oui, mes amis, buvons au bonheur de Doudou et Jules Boutin. Et disons-nous que le bonheur, c'est un acte de volonté. Ah, bravo, l'abbé! Ah, santé, des mariés. À votre honneur!